Bienvenue sur la chaîne de la luxure, le streaming, et oui, c'est le futur. C'est le futur, vous le savez, oui, hein, de plus en plus de gens stream, euh, connaissent, vous connaissez tous Twitch, Facebook Gaming, euh, Mixer, le feu Mixer qui a disparu. Oui. C'est très difficile maintenant de nos jours de se faire une place dans ce monde hein, qui est trusté essentiellement par Twitch hein, le, le gros numéro 1, on va dire qui baisse un petit peu mais qui se maintient quand même toujours au top euh, suivi par Facebook euh, par, pardon, par YouTube par YouTube Gaming et en troisième place Facebook Gaming qui essaie de se faire la part du lion d'ailleurs Mixer a rejoint Facebook Gaming voilà pour essayer de, de grossir à deux J'sais pas si ça va prendre, on verra. Mais en gros, un hein, gros sommaire d'eau, c'est ce sont ces trois-là. Et on sait qu'il faut y a de la place quand même pour de la concurrence parce qu'ils font toujours un petit peu tous la même chose. Et que Twitch, et bah, pas pour moi beaucoup de défauts. Hein, vous savez si vous suivez mes vidéos depuis quelque temps. Et il se pourrait, il se pourrait, et eh bien que Reddit, et eh oui, et eh oui, l'inattendu Reddit arrive, arrive sur le marché du streaming à grande échelle. Alors, ils avaient déjà un tout petit service de streaming local. Vous pouvez juste faire deux, trois petites vidéos comme ça, sympathiques, mais c'était rien de bien exceptionnel. Mais là, euh, comme le dit cet article ici de The Verge, eh bien, il serait prêt à, à grossir. Et oui, The Verge qui grossit, c'est très important. Reddit est prêt pour que son petit service de diffusion directe s'agrandisse. Si vous avez récemment fait défiler l'application de Reddit, vous avez peut-être repéré un flux en direct d'une personne jouant de la musique, faisant de l'art ou parlant simplement à la caméra. Alors voilà, on va faire je vais vous montrer une petite démonstration ici en direct, vous allez sur vous allez sur Reddit ici et puis vous avez ici alors là c'est le, le sur on sur Chrome hein, que je l'ai, mais l'application, il y a aussi là, c'est marqué le Reddit Public Access Network, le RPAN, RPAN, je ne sais pas comment on dirait. Et donc, si vous cliquez dessus, vous avez directement accès et eh bien à des gens, à des gens qui font des choses. ici, C'est un petit peu fort, pardon. Je vais baisser. Alors là, vous avez du streaming directement sur Reddit, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, ce monsieur est apparemment en train de, il est en train de faire des bots, il est en train de créer des bots, c'est très bien. L'artisanat, c'est très sain, c'est très, très bien. C'est le futur aussi, l'artisanat, il faut que ça revienne. Vous pouvez euh, cliquer, il hein, y a un mec qui joue de la guitare. Là, des chats qui s'amusent. Euh, un DJ qui est complètement stone. Super. Voilà. Et puis, vous avez aussi, vous avez plein mal de monde qui font de la musique. Des gens qui jouent même, euh, qui jouent au jeu. Au musique, musique. Voilà, j'étais tombé l'autre jour sur, sur quelqu'un qui a euh, du piano. Très très bien, parfait. Et les gens qui cuisinent relativement du grand classique dans le streaming maintenant qui se développe, où tout le monde euh, eh bien stream sa vie tous les jours finalement, ou font des choses exceptionnelles comme faire des bottes. Et puis j'ai pas trop vu de jeux vidéo. Et ah, cette personne marche dans, chez lui dans la campagne. C'est merveilleux et chat fantastique. Bref, voilà. Et donc vous avez ce petit service hein, qui est là pour pour les utilisateurs, mais pour l'instant c'est relativement restreint. Et donc ils sont prêts à aller. À passer la vitesse supérieure. Ces émissions proviennent du propre service de diffusion en direct de Reddit, le Red, Reddit Public Access Network, hein, Airpan. Faudra changer le nom parce que Airpan, c'est euh, si nul. Qui vient de fêter son premier anniversaire la semaine dernière. Et alors que le service entre dans la deuxième année, Reddit taquine une extension à plus de subReddit à un moment donné dans le futur. Ça y est, ils ont fait, je pense, un test pendant un an pour voir si ça tournait bien. Et maintenant, ils sont prêts à faire du. Euh, à étendre à plus de monde. Le meilleur mot que je puisse utiliser pour décrire les flux pan est sain. En parcourant certains la semaine dernière, je suis tombé sur une vidéo d'un streamer jouant à Super Mario Maker 2 pendant qu'un ami chantait des chansons avec des paroles sur le thème de Mario. Très bien. Une autre personne diffuse des vidéos de ces adorables poulets. Pourquoi pas On a vu des chats là un article populaire que j'ai attrapé sur le subreddit We're in the world la semaine dernière était une vidéo de près d'une heure d'une mouchon à Phoenix très bien passionnant de le regarder la pluie les flux que je regardais me semblaient beaucoup plus étendus beaucoup plus détendus que ce que je trouvais généralement à l'écouter sur Twitch ou sur YouTube bah le truc c'est que euh, ce qu'il appelle détendu ou sain c'est qu'en fait les gens là qui font ça ils font ça juste par plaisir en fait c'est à dire qu'ils ont rien à gagner sur Twitch euh, sur YouTube il faut il faut euh, il faut aguicher, il faut, parce qu'il y a forcément pour beaucoup, il y a de l'argent à gagner, hein. la plupart des gros streamers, c'est pour ça qu'ils font du spectacle, du divertissement, il faut accrocher les gens, il faut leur donner envie. Là, ceux qui font ça sur Reddit, c'est juste pour partager une passion, partager un truc comme ça, dans, en toute détente, les mecs, ils n'ont rien gagné, c'est sur leur subreddit en plus, c'est pas comme s'ils essayaient d'attraper de, des subs ou des gens qui allaient s'abonner, non, ils s'en foutent un peu, donc c'est pour ça que c'est quand même relativement plus détendu. Les flux euh, Non, je l'ai déjà lu. C'est en partie parce que le service est destiné à attirer un public plus large. Nous avons certainement vu beaucoup de gens qui ne diffusaient pas traditionnellement sur d'autres plateformes, juste beaucoup d'utilisateurs réguliers qui étaient enthousiasmés par cette nouvelle expérience, a déclaré Alex, vice-président des produits et de la communauté de Reddit dans une interview avec The Verge. Le premier jour de l'année dernière, AirPan n'était disponible que de 9h à 17h heure du Pacifique, dans le cadre d'un test de 5 jours et seules certaines personnes étaient autorisées à diffuser. Le service est désormais disponible 24-24, 7 jours sur 7 et ouvert à tous. Voilà, vous le savez, vous pouvez vous-même eh streamer sur Reddit, peut-être que j'essaierai, tiens, ça peut être sympathique. Il reste cependant une limitation, une limitation unique, il y a une limite de temps de 45 minutes pour chaque flux. Voilà, vous, avez, vous, avez, vous pouvez faire que 45 minutes de stream. C'est aussi pour ça, peut-être, que c'est détendu. Les mecs ne peuvent pas passer des heures dessus. La limite a été initialement mise en place en raison de contraintes techniques. Mais normal, il faut tester. Hein. Si le réseau suit, c'est tout à fait d'y aller. Y aller tout doucement et progressivement, finalement, c'est ah, c'est pas plus belle. C'est très, très bien. Demandez à la fistinière. Ils savent qu'il faut y aller progressivement et tout doucement pour mieux, pour que ça passe mieux. Mais Reddit envisage maintenant d'étendre la limite parce que certains diffuseurs le demandent, a déclaré Dé Déborah euh, Chier. C'est... Pardon pour la prononciation du nom, chef de produit principal de Reddit sur Airpan à The Verge. Les diffusions en direct Airpan sont également limitées à un peu plus d'une douzaine de sous Reddit pour le moment. Dans Air Reddit in the Kitchen, par exemple, les gens cuisinent. Dans Air Animals on Reddit, les gens partagent sur leurs animaux. C'est des trucs à thème. Et finalement, ce n'est pas plus mal parce que c'est vrai que, euh, est, par exemple, quand vous allez sur Twitch, il y a des thèmes, mais c'est des gros thèmes jeux vidéo, euh, euh, Just Chatting, voilà finalement que ça soit allié au subreddit que vous aimez et où les gens partagent justement des vidéos très 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 spécialisées sur des thèmes bien particuliers de subreddit ça peut être ça peut être une évolution du streaming très 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 intéressante Reddit a vu une augmentation du nombre de personnes faisant des émissions de « Demande-moi n'importe quoi » aussi, en « Ask me anything », ou voulant simplement discuter avec d'autres pendant qu'elles traînaient sur leur canapé en forme de socialisation. C'est vrai que le, le, euh, le Covid, finalement, a pas mal aidé. Le bier-virus, pardon, a pas mal aidé. Et donc, eh bien, il euh, y a eu d'ailleurs une communauté qui s'appelait euh, « euh, Distanciation sociale hein, »,« Distance socializing », où les mecs pouvaient streamer et parler de distanciation sociale. Pourquoi pas C'est très intéressant. Finalement, euh, dit le c'est son nom, hein, le, le nom du gars en fait, Alex. Reddit prévoit d'apporter le Airpan à autant de, monnaie, de communautés de communauté que le, qui le souhaite et Reddit dit que l'expansion devrait avoir lieu dans les deux prochains mois. Une partie du tirage au sort semble être que Airpan est conçu pour permettre aux gens de diffuser facilement depuis leur téléphone. Je pense que c'est l'avenir aussi. Ça, c'est euh, Twitch le montre bien. Plus, de plus en plus de gens font du just chatting sur leur sur leur téléphone. Malheureusement, il reste toujours des, des petits enfants qui ne sont pas en âge normalement de streamer qui le font, mais bon, ça j'espère que au moins Reddit aura une sélection et une modération beaucoup plus strictes à ce niveau-là. Euh, si vous avez déjà vu des flux Airpan sur votre flux Reddit, ce joie de conception apparaît de nombreux flux sans être quelqu'un qui parle à l'écran, sur le téléphone ou qui diffuse depuis les caméras arrière. C'est une barrière beaucoup plus faible à l'entrée en streaming que les configurations PC élaborées sur lesquelles s'appuient un bon nombre de grands streamers sur Twitch et YouTube. Mais même si cela signifie que les flux Airpan peuvent avoir une qualité vidéo audio inférieure à celle d'autres plateformes, on soit dit en passant, quand on fait du just chatting, le tout c'est de voir à peu près ce qui se passe. Le tout c'est d'avoir une qualité audio potable, parce qu'on fait qu on, est, qu on écoute surtout le gars, donc euh, la qualité de la vidéo, si ça frétille un peu de temps en temps, c'est pas très très grave. Je ne pense pas que le streaming téléphonique soit nécessairement une mauvaise chose pour l'espace, ben, non, non, c'est une très bonne chose. Finalement. Les flux que j'ai regardés au cours des derniers jours sont généralement une qualité intangible plus intime que les flux que je regarde sur Twitch ou YouTube. Il est à noter que vous pouvez également diffuser depuis votre téléphone sur Twitch ou YouTube. Et Reddit offre une intégration officielle avec le logiciel PC de diffusion en direct OBS. Populaire qu'il appelle Airpan Studio. Donc voilà, ils développent même leur propre euh, intégration officielle sur OBS. Donc c'est bien la preuve quand même qu'ils commencent à se développer. Airpan semble également beaucoup plus petit que Twitch ou YouTube en ce moment. Oui, c'est vrai. Reddit en même temps, c'est difficile de faire plus gros. Hein. Reddit a refusé de partager des chiffres d'audience spécifiques, mais le premier flux Airpan qui m'a été montré mardi matin dans le flux populaire avait plus de 6000 téléspectateurs, tandis que le premier flux sur Twitch avait plus de 92 000 téléspectateurs. Plus de 6000 hein, pour le premier, euh, sur, en plus sur Reddit. Bah forcément le réflexe qu'ont les gens pour aller regarder le streaming, c'est quand, quand même pas mal, je veux dire, c'est quand même raisonnable, je trouve que c'était un très bon début. Le défi à long terme pour Reddit sera de trouver un moyen d'encourager les utilisateurs à maintenir les ondes positives qui rendent les flux panne si agréables à regarder. C'est vrai que pour l'instant, c'est amateur, hein, c'est du rouler, c'est les aisselles, sous les aisselles, donc c'est vrai, on échange avec des gens en toute simplicité, un truc, dès qu'il euh, va y avoir les annonceurs qui vont vouloir se mettre dedans ou des mecs qui vont faire ça avec... Euh, des, euh, des dons possibles et trucs, ça va se professionnaliser, entre guillemets, hein, euh, avec plein de guillemets. Là, c'est vrai qu'on va avoir finalement peut-être du copier-coller, mais comme j'ai dit, le truc des, des thèmes dans les subreddits, ça peut être finalement très, euh, très intéressant. Ça peut être vraiment très intéressant. Au moins, en ce moment, je suis assez content de voir un gars passer du temps avec ses poules. Il a entièrement raison, je trouve que c'est ça détend, c'est très sympa. Et de regarder le gars qui fabrique des bottes, ça a l'air con comme ça. Mais finalement, c'est très bien. C'est très très bien. C'est relaxant. On regarde même en fond, pendant que vous travaillez, vous mettez ça de côté, vous l'écoutez, vous regardez comment il fait ses bottes. On apprend des trucs. C'est passionnant. Et donc, eh bien, euh, Lusty, et j'espère beaucoup de monde, souhaite à Reddit eh bien, de beaucoup de futurs. Et enfin, peut-être une concurrence saine à Twitch et à euh, YouTube, Facebook, Facebook Gaming aussi. Allez, on, on va les inclure. Aujourd'hui, on est inclusif. On inclut tout le monde. On est gentil. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.